Alors, on va faire ensemble l'exercice numéro 3. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute cet extrait de La chèvre de Monsieur Seguin. Que veut faire Blanquette et Monsieur Seguin? Blanquette, c'est qui Blanquette? C'est la chèvre. La chèvre s'appelle Blanquette. La chèvre s'appelle Blanquette. Et on va écouter un extrait. On va écouter le dialogue entre Blanquette et Monsieur Seguin. Maintenant, vous comprenez très bien que Blanquette veut aller à la montagne. Monsieur Seguin, il a peur. Il a peur. Pourquoi il a peur? Parce qu'il y a le loup dans la montagne. Et qu'est-ce qu'il va faire, la montagne? Il va manger la pauvre chèvre. Il va manger la pauvre chèvre. Il va manger Blanquette. D'accord? Et il a raconté l'histoire de l'année dernière. Last year, le loup, il a mangé une autre chèvre. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Renaude. L'année dernière, le loup, il a mangé Renaude. Allez, maintenant, on va écouter l'extrait. S'il vous plaît, dites-moi qu'est-ce que vous avez compris. Écoutons ensemble. Leçon 3. La Provence, terre d'inspiration. Page 49, activité 3. Écoute cet extrait de La chèvre de Monsieur Seguin. Que veut faire Blanquette? Et Monsieur Seguin? Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois: Écoutez, Monsieur Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. Comment, Blanquette? Tu veux me quitter? Oui, Monsieur Seguin. Est-ce que l'herbe te manque ici? Oh non, Monsieur Seguin. Tu es peut-être attaché de trop court. Veux-tu que j'allonge la corde? Ce n'est pas la peine, Monsieur Seguin. Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu veux? Je veux aller dans la montagne, Monsieur Seguin. Mais malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne? Que feras-tu quand il viendra? Je lui donnerai des coups de corne, Monsieur Seguin. Le loup se moque bien de tes cornes. Tu sais bien, la pauvre vieille Renaude qui était ici l'an dernier, une maîtresse chèvre, forte et méchante comme un bouc. Elle s'est battue avec le loup toute la nuit. Puis le matin, le loup l'a mangé. Ça ne fait rien, Monsieur Seguin. Laissez-moi aller dans la montagne. Eh bien non, je te sauverai malgré toi, coquine. Je vais t'enfermer dans l'étable et tu y resteras toujours. Alors, peut-être vous avez besoin d'écouter une autre fois, mais s'il vous plaît, écoutez et dites-moi, c'est quoi exactement la réaction de Monsieur Seguin? Quand Blanquette, elle a dit qu'elle veut aller à la montagne. Est-ce que Monsieur Seguin, il a accepté? Au début, il a essayé de convaincre Blanquette de rester avec lui. Est-ce que Blanquette, elle a accepté de rester? D'accord? Alors, écoutons une autre fois et dites-moi vos impressions. Leçon 3. La Provence, terre d'inspiration. Page 49, activité 3. Écoute cet extrait de La chèvre de Monsieur Seguin. Que veut faire Blanquette? Et Monsieur Seguin? Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois: Écoutez, Monsieur Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. Comment, Blanquette? Tu veux me quitter? Oui, Monsieur Seguin. Est-ce que l'herbe te manque ici? Oh non, Monsieur Seguin. Tu es peut-être attaché de trop court. Veux-tu que j'allonge la corde? Ce n'est pas la peine, Monsieur Seguin. Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu veux? Je veux aller dans la montagne, Monsieur Seguin. Mais malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne? Que feras-tu quand il viendra? Je lui donnerai des coups de corne, Monsieur Seguin.
Le loup se moque bien de tes cornes. Tu sais bien, la pauvre vieille Renaude qui était ici l'an dernier, une maîtresse chèvre, forte et méchante comme un bouc. Elle s'est battue avec le loup toute la nuit. Puis le matin, le loup l'a mangée. Ça ne fait rien, monsieur Seguin. Laissez-moi aller dans la montagne. Eh bien non, je te sauverai malgré toi, coquine. Je vais t'enfermer dans l'étable et tu y resteras toujours. Alors, Blanquette, la chèvre, elle veut aller dans la montagne. Mais monsieur Seguin, elle a refusé. Au début, elle a essayé de convaincre Blanquette de rester avec lui. Elle a dit par exemple, « Blanquette, il te manque de l'herbe ?» Elle a dit non. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit encore? Elle a dit, « Est-ce que tu y es attaché de très court ?» J'allonge la corde. Est-ce que j'allonge la corde pour toi? Elle a dit non, pas la peine, pas la peine. Et à la fin, elle a dit que non. Non, tu ne vas pas aller à la montagne. Tu vas rester ici, enfermée dans l'étable. Elle a refusé. Mais Blanquette, elle insiste. Elle insiste. Elle demande sa liberté. Elle demande sa liberté.